Hey, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va aller réaliser un challenge avec Marianne Sullivan que vous connaissez sans doute sur Instagram. On va aller préparer son cheval à l'aveugle. On a déjà fait cette vidéo il y a 2 ans, il me semble, et ça vous avait beaucoup plu. Donc, on recommence aujourd'hui. J'espère que ça va vous plaire. C'est parti! Donc, on se retrouve avec l'invité surprise. Donc on se retrouve avec l'invité surprise. Bonjour. Marianne Sullivan, est-ce que tu pourrais te présenter pour les gens qui ne te connaîtraient pas encore? Je m'appelle Marianne Sullivan, j'ai 16 ans et je monte aujourd'hui dans le centre équestre de Vernouillet. J'étais l'été dernier à Stregom au championnat d'Europe, c'était pas du tout attendu, mais j'étais là. Grâce à mes coéquipiers, j'ai pu avoir la médaille d'or en équipe et j'ai eu la médaille d'argent en individuel. Ça c'était incroyable, on était tous comme ça au bord de la piste. Mais c'était trop cool et là on se retrouve avec ton cheval oui. Qui dort actuellement dans le box, qui veut pas nous voir. Et on va faire un petit challenge, ça va pas être facile. Je pense qu'on peut y arriver, en tout cas on n'est pas en équipe, on est l'une contre l'autre. Enfin c'est pas vraiment un duel, mais on va bien voir comment ça se passe. Mais tu veux que je cure les pieds à l'aveugle? Bah oui. Si tu veux dans le box, ok vas-y. Ça commence en fait, ça commence. Tac. Vas-y maintenant. Ok. C'est trop facile. En plus elle va y arriver, évidemment. Sûr d'elle, hein, sûr d'elle. Par contre, il est vraiment en train de dormir, genre... Il s'en fout, ce cheval, il est adorable. T'es vraiment là en mode, mais tranquillou, on se promène. Ah, comment t'as mis ça? Hop. Bon, du coup, c'est moi qui commence. Enfin, parce que Marianne n'a pas voulu commencer l'épreuve, parce qu'elle a déjà gagné le curage des pieds. Je vais devoir lui enlever sa couette, enfin, sa couverture. Marianne va me chronométrer pendant que je réalise cette épreuve assez fastidieuse. Tu me dis quand j'y vais? Vas-y. Il tape ou pas? Non, il tape pas du tout. Attends. Elle dans ce sens-là, toi? Elle me fait perdre du temps, vous avez vu comment elle est mauvaise? Elle me parle et tout, genre j'ai pas cru. Hey, je sais que t'es là, hein. Je t'entends. C'est horrible, j'ai l'impression de devenir folle comme dans un film d'horreur un peu. Je sais pas où est la caméra, je sais pas où est Marianne, je vais prendre un truc dans la gueule dans 2 minutes. Ah elle est mauvaise, cet enfant. Je vois rien en plus, c'est quoi comme couette, là? Ah, c'est un... Ah! Il est gentil, hein? Oui, il est très gentil. Je t'entends. Je t'entends. Elle est hyper méchante avec moi en plus. On arrête le chrono? Oh putain, j'ai... Ok, 1 minute 40. Mais c'est pas si t'es mis de travers dans la neige. Ok, première étape, la couverture c'est fait. Même si Marianne n'a pas été très gentille avec moi. Mais c'est horrible, je sais pas où t'es genre à chaque fois. Bon les gars, du coup j'ai mis 1 minute 43 pour enlever la couverture. C'est long quand même. Bah en vrai, non, moi je trouve ça va, c'est assez honnête. Hein. Enfin, ça met normalement 15 secondes, mais... On va voir si tu nous fais un pansage en moins de 5 minutes quoi. Complet, en brossant l'écran aussi? Ça va, on dirait c'est impossible, on dirait c'est hyper facile. Non, vas-y, on va aller voir si elle arrive à faire un... Moi j'ai réussi à faire moins de 2 minutes, on va dire que c'était ça l'objectif de base. Oui, bien sûr. Comme ça j'ai réussi oui, à tenir l'objectif. Bien Marianne sûr. Marianne va devoir faire un pansage sans les pieds en moins de 2 minutes. Ok, 1, 2, 3. Un singe. Un singe, vraiment. Ok. Je vais trouver mon chef. Ah, ok. C'était le stick, ça, je reconnais. C'était fermé. Oh, le karma. C'est raté, mais ça. Tous mes essais sont des échecs, en fait. Merci. Comme ça, j'ai pas besoin de mettre de anti, d'après-shampoing. Pourquoi elle a peur de rire? Elle a remarqué tous mes stratagèmes. Ça ne fonctionne pas. Il y a de la paille encore. Oui, bah c'est bon, attends, c'est pas fini, hein. Qu'est-ce qu'elle a, celle-là? Je fais le toupet. Là, elle est en train de me caresser, Mathilde. Je sais pas ce qu'elle fait. C'est très bizarre. C'est un cure-pied, ça, ou je rêve? Oui, alors, tu me protèges, Orange. Ouais, je sais. Quelle... Ça ça ressemble à un brosse à cheveux, ça aussi, c'est pour l'écran, merci. Ça va être plus doux. C'est fini? Ouais. 1:43, là, c'est à 5:53. Ça fait 4 minutes 10, c'est ça, non? Bah, ça va, hein. Ça fait 4 minutes 10. Il reste de la paille. Mmh. Pour ça, je n'ai pas fini. Il reste de la paille. Donc là, Mathilde, c'est elle qui va faire les guêtres.
et des cloches, oui. Ceux-là, je vais les garder ensemble, mais ceux-là, ils sont séparés. Je vais les cacher. Non, mais autour du cheval, je vais les cacher. Et il va falloir que Racine les trouve, bien sûr, avec ça sur les yeux. Je sais même pas où est le cheval, genre. Il n'y avait pas une petite boîte, là, tout à l'heure? Ah, il y en a peut-être une sur le cheval. Attendez. Une cloche de trouver. Attends, bah, on peut lui mettre celle-là, en vrai. C'est déjà un bon début. C'est horrible. Gentil cheval. Ah, je peux pas passer, il y a le mur. Il s'est collé au mur. Il s'est collé au mur. Mais j'essaye de regarder, mais je vois rien. Hein. Ah. Mais c'est la journée, là, par contre. Ok. Par contre, je sais pas où elles sont, les autres. Hein. Mais meuf. Indice, c'est l'heure de l'indice. Je sais pas où est la caméra, mais c'est l'heure de l'indice. Oui, ok, tu chauffes. Tu chauffes, tu continues à chauffer. Là... Là, tu refroidis, là. Ah, ok. Vas-y, décale le cheval, il va bouger. Là, tu vois, tu chauffes, là. Là, t'es presque bouillante, là. Là, tu vois, là, t'es super... Mais là, comment est-ce que t'es pas en train de brûler, au fait? Là, tu t'éloignes. Ok, oui, mais là, t'es... Là... Attends. Mais... Là, tu chauffes aussi. Là aussi, oui. Ah! Elles sont ensemble! Elles sont ensemble! Pourquoi tu les as séparées? T'as dit que tu les laissais ensemble? Bon, je peux mettre déjà ça. L'art de la cloche. Par Mathilde Esquigo. Elle veut me dire, je vois rien, pourquoi tu fais ça? Elle veut vraiment ma mort. Hey, t'es vraiment méchante. Moi, je t'ai fait des trucs hyper gentils en plus. Là, tu refroidis, tu vois. Là. Non. Là, sur la longe. Oui, tu chauffes. Tu refroidis. Là, tu chauffes, là. Ouais, là, tu chauffes. Oui! Oui, Mathilde! Merci! Aïe! Là, tu refroidis, là. Oui. Oh! Oh! Victoire! Mais je pense que là, le chronomètre, vous allez être de chronomètre 12 minutes plus tard. Tu faut les mettre croisés ou les mettre. Ah! Hey, je sais que t'es là, de toute façon. J'ai plus peur maintenant. C'est bon. C'est bon, moi, je prends ma revanche. Tu vas devoir faire la même chose et je vais cacher la selle. Ouais. Ok, mais c'est un peu compliqué de cacher une selle, mais ouais. On verra bien. Normalement, je crois qu'elle m'entend pas là. Je vais prendre. Ah, mais c'est pas du jeu, y a carrément rien à cacher. J'ai fini de cacher les affaires pour Morgane qui est actuellement en train de s'endormir autant qu'Orange. Mmh. Elle va devoir trouver les affaires et ensuite on va préparer le cheval à deux. Donc là tu trouves juste les affaires et ensuite on prépare le cheval ensemble. Vas-y, je mets un chrono, on va voir si tu fais moins que 13 minutes. Vas-y, 1, 2, 3. C'est important. Oui, quand tu... Je vais te le choper ton stick un jour. Et non, ce n'est pas ça. Bon, une fois que tu as trouvé le premier truc, je te dirai chaud-froid. Non, ça c'est... Mais si. Mais si. J'ai failli le rater, je reconnais. Attends. Non, ça c'est la bleue. Non, ça d'après mon... Bah si. T'as enlevé les étriers. Non, les étriers sont là. Je sais pas pourquoi j'ai dit que t'as enlevé les étriers. Et il te reste trois choses à trouver. Il me reste le tapis et la sangle. Trois choses, vas-y. Il y a combien d'étriers sur la scène là? Putain, il y en a un seul. T'es au pôle Nord. La Marianne, tu congèles, ouais, vraiment. Là, ça chauffe un petit peu. Ouais. Ça chauffe. C'est chaud. C'est froid. Fait plus chaud au Nord. Hein. Ça chauffe. Ça chauffe. Mais ça aussi... Elle est trop petite. Il suffirait que je sois assez grande. Je fais 1m68. Vas-y, okay. Passe. Ça, c'est le truc des températures, ok. C'est un tapis, ça, je reconnais. Un petit tapis. Non, ça, c'est le tapis. Là, ça chauffe un peu. Ouais, c'est plus chaud. Ça chauffe.
enfant. Ça lui a pris 5 minutes, malheureusement. Putain, pourquoi c'est toujours moi qui perds? À chaque fois que j'invite des gens sur ma chaîne, c'est moi qui perds, j'en ai marre. Les gars, on n'est pas hyper rapide à l'aveugle et on traîne un petit peu, donc on va le sceller et le finir de le préparer toutes les deux ensemble en même temps à l'aveugle. Je sais pas ce que ça va donner, on va devoir se donner des petits signaux pour genre se repérer, genre nous deux autour du cheval. Moi, je suggère qu'il y en a une qui reste à gauche, l'autre qui reste à droite. Et du coup, j'ai un nouveau petit bandeau très mignon. C'est vraiment, je sais pas ce que j'ai comme tête avec ça. Mais ça a pas l'air ouf. On commence par le tapis. J'ai une sangle, j'ai pas le tapis. Si, moi je l'ai. Ok, j'ai la sangle, j'ai la sangle. Ok, attends. Oh, c'est romantique. Waouh. Non, ne bouge pas, je l'ai mis dans le bon sens là. Oui, non, mais c'est bon. Je suis sûre que je l'ai mis dans le bon sens. Mais il y a le logo, c'est bon. T'as un amortisseur ou pas? On met directement non, la selle. Non, ouais, moi j'ai pas d'amortisseur. Tu sais où elle est la selle? Vas-y, passe la selle. J'ai bien shooté dedans à un moment quoi. J'ai la selle. T'as remis l'étrier sur. Non. T'as pas mis l'étrier? Non, j'ai l'étrier. On dirait deux folles. C'est bon, j'ai le reste. Non, moi, dans tous les cas, une selle, ça se pose tout seul sur le dos de ton cheval s'il est bien ajusté. L'étrier, c'est mon côté. Je suis trop bête d'avoir pris ce côté. Bah, accroche ton côté. Bon. Moi, je mets au premier et au troisième sanglon, moi. Pourquoi il fait du bruit? Pourquoi il veut bouffer la longe? Mais non, mais c'est normal, il aime pas. Ah, mais il est gros, hein. Je vais pas être méchante, mais. Il a un peu dans le bruit. T'arrives pas à faire? T'arrives ou pas? Attends, j'arrive. Ouais, c'est bon. C'est bon. Je crois en fait, la première fois que j'avais fait cette vidéo, j'étais allée hyper vite, c'était un grand terme, hein, la vitesse, parce que j'étais pas très rapide. Mais du coup, tout était mal fait. Et j'ai l'impression qu'on y arrive plutôt bien là. Je suis d'accord. Vas-y, c'est dans le bon sens que j'ai le petit bout. Et là. Mais non, t'as mis. Tu. Attends, c'est bon, mais il est dans. Attends, parce qu'après tu. Oui, ok. C'est impossible, meuf, vraiment, genre. Oh là là, mais quel kiff. Je sais pas très bien sembler, je crois, mais c'est pas grave. Non, t'inquiète. C'est bon? Ouais. Ah mais voilà. Mimi. C'est bon, on enlève. Eh, ça va en soi, hein, franchement. Par contre, là, la sangle, c'est vraiment... Oui, t'as très mal sanglé, madame. Ouais, mais écoutez, c'est aussi, j'y voyais pas, alors j'ai dû adapter à la situation. Mais meuf, mais même, regarde-moi mon côté, c'est bon, moi je... Qu'est-ce qu'il a, ton côté? Bah, il est très bien fait, mon côté, en fait, c'est ça le truc. Non, mais vraiment, la première de la classe, la meuf, quoi. Ah bah, je pense que là, si on avait chronométré, de toute façon, on serait encore là demain, mais... Du coup, dernière étape de ce challenge avec Mathilde, c'est moi qui vais mettre le filet parce que madame a trop peur, elle connaît pas le cheval. Non, c'est pas vrai, c'est pas vrai. C'est donc... juste que ça, je me suis fait agresser 36 fois pour voir la vidéo. J'ai mis 13 minutes 53 à trouver des guêtres. Moi, c'est bon, hein, je laisse mon... Mais oui, mais c'est un amour, ce cheval. Et bah, je vais faire ça à l'aveugle. Bon, bébé. Attention, attention. Ah, mais madame, c'est injuste. Allez, ouvre, mon grand. Ça, t'as dit qu'il ouvrait la bouche, donc maintenant, il n'avait plus ouvrir la bouche. Ouais, c'est ajusté. C'est à la bonne taille. Et là, ça va être hyper facile à faire. Ok. Voilà, on clip. Arrête de mâchouiller, s'il te plaît, deux secondes. Ok, c'est bon, elle est ajustée. Sérieuse? Attends, mais j'avais détesté ça. Non, mais c'est trop facile. Faut des conditions extrêmes la prochaine fois. Sans les mains, sans les yeux. T'es comme ça avec ta tête. Bouge pas, hein. Surtout que lui, il est vraiment gentil. Ouais, sur le côté, ça fait un peu mal. Bon, bah du coup, clap de fin de cette vidéo. Orange a été très très sage, comme d'habitude. Marianne, cependant, armée de bouchons et de sticks. J'ai pas utilisé le démêlant, mais... Ça s'est plutôt bien passé. Maintenant, ça va être Orange qui va faire sa séance à l'aveugle. Oui, bien sûr. Ça s'est plutôt bien passé. Je pense qu'on n'arrivera pas à se départager parce que de toute façon, on était toutes... Ah, oh, il est trop mignon, il est trop mignon. Bon, dans tous les cas, je vous mets les liens de Marianne dans la barre d'infos pour que vous puissiez aller la suivre sur Instagram. Et je vous mets également tous mes liens dans la barre d'infos. Instagram, TikTok. N'oubliez pas de liker, de commenter, de partager si ça vous a plu. Et moi, je vous dis à très bientôt. Bye.